bienfaiteur, le plus beau des spectacles et la promesse d'un retour. Ouais. Alors, en tant que juré, avec tous mes collègues du jury, on est censé regarder 31 films, dont une partie correspond à des moyens-métrages ou des longs formats. C'est intitulé, voilà, 10 compétitions de films professionnels. Ce sont tous des films produits, correctement produits. Il peut y avoir des divergences de moyens d'un film à l'autre, c'est assez commun dans ce type de festival. Et puis il y a aussi des courts-métrages qui viennent d'horizons très très différents, qui font entre 3 et 15 minutes, 17 minutes je crois, et qui eux correspondent à une catégorie que l'on doit récompenser. Donc il y a 4 prix à donner sur les moyens et longs-métrages professionnels. Du grand prix au coup de cœur du jury, en passant par le prix Vie Sauvage et le prix Environnement, dédié aux problématiques environnementales et aux actions de conservation notamment. Et puis il y a un cinquième prix qui est le prix court-métrage dédié au format court. Les Renardos se consultent du regard. C'est drôle, ils ressemblent à de petits chatons roux. Des chatons bien curieux. Le sujet intègre des oiseaux et des oiseaux migrateurs, des oiseaux exotiques, des oiseaux de proximité, ou que l'on parle d'insectes, de mammifères. À partir du moment où on considère l'environnement et donc l'homme dans son environnement, on est sur un sujet intégral en fait. Ce que l'on aime bien dans le travail de photo animalière, c'est les territoires extrêmes, les territoires reculés. Donc on était dans le Grand Nord avec les ours polaires qu'on avait présentés ici en 2019. Et cette année, donc les manchots des îles Malouines, hémisphère sud. Les manchots sont des oiseaux fascinants, attachants, et on peut les observer dans des conditions de proximité incroyables. Déjà, c'est des oiseaux qui sont complètement hors normes. Leur position qui est debout lorsqu'ils marchent. Le fait qu'ils sont complètement inaptes au vol. Donc c'est vraiment une catégorie d'oiseaux complètement différente de ce que l'on peut connaître. Et vraiment ce caractère pas du tout farouche par rapport à l'homme, cette proximité que l'on peut avoir qui est exceptionnelle. Notre travail de photographe animalier, c'est notre vue des oiseaux au travers de notre travail d'artiste. Donc il y a toujours un message de protection derrière, bien sûr, des oiseaux, de la faune, de l'environnement. Mais il y a ce côté artistique, puisqu'il faut essayer de montrer des images, de jolies images. Et certaines sont très graphiques, et c'est ce qui apporte un côté différent à l'image, à la photographie, à notre vue des oiseaux. À la base, moi je suis illustrateur. Dans mon évolution, j'ai eu envie de passer à une troisième dimension. Et finalement, j'ai adopté cette technique du fil de métal parce que finalement, il y avait un lien vraiment direct avec le dessin, je trouve. J'étais passé d'un trait sur une feuille de papier, finalement, à un fil dans l'espace. Je continuais de hachurer. Donc il y avait une certaine logique d'utiliser cette technique comme sculpteur. J'avais envie de choses très colorées. Donc ces fils d'aluminium vraiment donnent du mouvement, donnent cette couleur qui correspond très bien au règne animal, puisque c'est vraiment mon sujet de prédilection. On va observer les oiseaux essentiellement de manière sonore, pas que, mais quand même essentiellement.
avec cet engin un peu à l'allure militaire, qui est en fait une parabole en résine avec un microphone qui est au centre du foyer. Donc cet engin a la particularité de permettre d'entendre des oiseaux qui sont éloignés, d'isoler des oiseaux qui sont éloignés, ou d'isoler un oiseau parmi plein d'autres. Ça y est, la fauvette à tête noire, elle se met à chanter. Voilà, elle est derrière vous, là. Elle est au-dessus de vous.